Le Coran fait dire à Jésus: « Je confirme ce qu'il y a dans la Torah et vous rend licite une partie de ce qui y était interdit. » Coran 3:50. Mais qui a autorité sous la loi divine, sinon Dieu seul? C'est ainsi que le Coran garde mémoire de la divinité de Jésus, qui a confirmé de la loi de Moïse ce qu'il y a d'universel, les 10 commandements, et a abrogé règles et tabous, aussi innombrables que stupides, ajoutés au fil du temps par les docteurs de la loi, ainsi que les règles données par Moïse au peuple juif et à lui seul, pour un temps donné, celui de préparer la venue du Christ, lequel, une fois venu, rend ceci caduc. Mais qui a demandé aux musulmans de se prendre pour des juifs en reniant Jésus, le maître de la loi ?